monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing de deux produits que j'ai reçus de la part de DIY Choose. Donc merci beaucoup DIY Choose de m'avoir envoyé ces produits à présenter sur la chaîne. Je crois que suite à la dernière vidéo, en fait, tu m'avais proposé de sélectionner d'autres produits. Donc j'en ai sélectionné deux. J'ai pris une toile à diamants spéciaux et un objet. La toile en diamants spéciaux, vous l'avez déjà vue sur la chaîne parce que il y a une fois en fait où j'ai demandé des mandalas en fait chez un de ses partenaires et il y a deux mandalas qu'il n'avait pas et il les a remplacés par deux autres dont celui-là. Donc je l'ai en double mais c'est pas grave. Dans le pire des cas je le donnerai à ma belle-mère ou à Jacinthe la prochaine fois que je la verrai. Donc peut-être qu'on va commencer avec le DP bien que vous l'avez déjà vu mais bon regardez je vais quand même le remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo. Donc ce DP sur le site de DIY Choose est au prix de 4,24€ ou 6,20€. Je donne les prix en dollars canadiens pour les Canadiens et les Canadiennes qui regardent ma chaîne. Ah, c'est la colle qui collait en fait sur la fiche du DP. Donc ouais, pour ceux qui regardent ce genre de vidéo, vous allez le reconnaître. C'est celui-là qui est magnifique d'ailleurs, avec tous les papillons autour. Il est très joli. On a un toolkit juste là, de base, avec plateau, cire et stylet en bout simple. Il n'y a pas de sachet refermable. Le DP, c'est du 30 par 30, mais normalement, c'est du 25 par 25. Je vais vérifier rapidement. Ouais. 25 par 25, c'est ça. Je vais quand même le noter sur ma fiche. On a un numéro de modèle qui est le LY086, que l'on retrouve sur les diamants. Donc moi, je suis contente parce que les diamants, je les mets dans un bac et les DP, je les mets dans un espèce de porte-vue ou portfolio. Donc, je suis contente quand on a le numéro de modèle qui est rappelé en fait sur les diamants. Et on a 10 types de couleurs sur ce DP, ou 10 types de diamants, je devrais dire. On a deux légendes, une à gauche, une à droite. Les chiffres sont très petits, de 1 à 10. Mais l'impression au niveau des symboles, elle est bien. Regardez, c'est pas trop petit, donc ça, c'est bien et c'est bien imprimé. Je vois pas de problème. Je regarde parce que de temps en temps, c'est vrai qu'on peut avoir des symboles un peu flous. Donc, je regarde un petit peu sur tout le DP. On voit la colle, là, vous voyez, qui dépasse autour des symboles. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, l'impression, elle est super belle et au centre aussi, vous voyez. On lit très bien les symboles. Et au niveau des diamants, donc, ils sont là, je vais les ouvrir. Alors, on a tout ça. On a pas mal de strass, d'après ce que je vois. Ah, quoique non, on n'a que 3. Et il me semble que ça, on l'a en double. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Donc, des 10 types de diamants. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Donc, 7 diamants spéciaux et 3 strass. Je vais vous les montrer. On a des gouttes transparents AB. Ces formes circulaires en fini métallique que moi j'adore poser. C'est en doré. Trop beau. Ensuite, on a des gouttes de couleur jaune. On les voit un peu mal, mais ouais. Voilà. Elles n'ont pas de facette, j'ai l'impression. Ensuite, on a des yeux de chat qui sont dorés. Alors, ce que vous voyez transparent, c'est ça qu'on va mettre contre la colle. C'est l'endo, en fait. Mais sinon, ce qu'on va voir une fois posé, c'est la partie dorée. Ouh, c'est joli, ça. On finit perlé, bleu AB. Trop beau. Pareil, mais sous forme, sous une autre forme, en fait. Ah, là, on a encore le fini métallique doré. Trop beau. Plus petit que l'autre. Et là, on tombe dans les strass. Il y a du jaune, du turquoise et du transparent. Voilà pour ce DP. Alors, elle se présente là-dedans. Je rappelle que les produits, je ne l'ai pas mentionné, hein, mais ça arrive tout le temps mais ça arrive toujours dans le même genre de packaging qui est une espèce de sac poubelle, je dirais. C'est comme ça. C'est comme un fini sac poubelle. La boîte, ça va. Je veux dire, elle est un petit peu endommagée. Donc, on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Et ça, c'est la boîte.
Vous savez que j'ai déjà fait une boîte, et d'ailleurs je l'utilise. Ben je l'utilisais pour mes DP matin, que j'ai complètement arrêté de faire. Mais j'ai encore des trucs dedans en fait. Hein. Elle est dans ma chambre, et c'est ça, je me suis dit, ben ça c'est différent, c'est super beau. C'est un papillon. Donc on va voir ça ensemble. Et sur le site, alors attendez que je prenne ma fiche. Parce que là, j'avais encore l'autre fiche. Donc ça, sur le site, c'est au prix de 14,04 € ou 20,52 $. Ah, il y a peut-être un papier qui explique comment assembler la boîte. C'est possible. Voilà. Non, il reste le troquet. Alors, troquet de base, comme je peux voir pour l'autre là. Tourquette de base avec plateau, stylet, cire. Ah, et là, on a quelques sachets refermables. Ça, je ne sais pas si c'est l'explication. Oui, voilà, c'est les instructions en fait. Donc, bon, ils disent là de faire le DP, mais moi, c'est plutôt à la fin que ça m'intéresse de savoir comment monter la boîte. Donc, ça, c'est cool parce que c'est pas tout le temps donné les trucs comme ça là, quand vous devez, surtout quand vous devez monter un objet. Regardez comme c'est magnifique. Et il n'est pas petit, hein. Regardez la taille de ma main. Il est d'une belle taille. Donc... Alors attendez. Parce que là, il y a quelque chose d'autre. Là. Mais je me demande du coup si ça, pardon, il ne faut pas le laisser. Je pense qu'en fait, ça, il faut le laisser. Vous voyez donc, bon, c'est détachable, mais je pense qu'il faut quand même le mettre de ce côté, en fait. Parce que vous voyez, c'est dans ces parties-là, en fait, qu'on va mettre ça. Et ça, donc, c'est la partie inférieure. Je ne sais pas s'il y a un côté, on ne dirait pas. Et on vous donne ça aussi. Alors, c'est vraiment bizarre. Hein. C'est un petit peu flexible, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Ouais, c'est flexible. Le tout les. Donc, ouh là là, en revanche, ça sent fort. Hein. Ouf. Donc, comment on fait ça? Je regarde et je lis, mais bon. De toute manière, les trucs comme ça, je les fais généralement en vidéo avec vous. Je sais qu'il y a un truc que j'ai pas monté avec vous en vidéo. Mais je pense que c'est ça, il faut juste suivre. Il faut suivre en fait les bordures, quoi. Bon, après, lesquelles mettre et où? Ouh là là, en revanche, regardez mes doigts. Ils sont noirs. Je vais me laver les mains après ça. Mais ouais, je sais pas trop en fait. Je sais pas dans quel sens il va falloir que je le mette. Parce que je regarde, ils disent attach the four strips of wood that are side panels. Donc, je pense qu'en fait, vous voyez, là, c'est par 3, qui est OK. Donc, par 3, par 2, par 2, pardon, vous voyez, un 2, un 2, un 2, qui va rentrer là-dedans. Mais à la fin, comme là, par exemple, il n'y en a qu'un. Et il va falloir, du coup, l'attacher avec celui-là. Donc, ça, par exemple, ben... D'après ce que je vois, on dirait que ça va aller là, en fait. Vous voyez? Donc, vous le commencez là. Et vous suivez, étant donné que c'est flexible. Faites gaffe pareil, là. Et vous le rentrez. Et vous continuez avec les autres côtés, comme ça. Mais ouais, c'est... c'est très sale. Je pense pas que je vais remettre ça dans le sac original, celui-là. Je vais juste le laisser comme ça. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est la base. Et ensuite, vous le clipsez dans la partie supérieure. Oups, ça veut tomber ça encore. Voilà, là. Donc, c'est ça. Ça va clipser vers le bas. Et là, en haut, vous allez avoir ça pour le mettre là-dedans. On le fera ensemble, mais quand, je ne sais pas, parce que ben, vous savez que j'ai beaucoup de projets sur lesquels je travaille. Et normalement, je les fais dans l'ordre dans lequel je les reçois. Donc, le manuel, je pense que je vais quand même le garder. Je vais le remettre dans la boîte originale. Et au niveau donc, de cet objet, je vais vous donner la largeur
et la hauteur. Donc au niveau de la largeur, je vais prendre la largeur la plus large, comme de là à là. Donc on regarde à du 25 cm environ. Au niveau de la hauteur, je vais prendre encore une fois le plus haut. Bon, je dirais à peu près du 19 et demi. Et au niveau de la hauteur, alors là, je ne sais pas quoi vous dire, il faudrait que je mesure comme ça en fait, environ. Donc ça va être vraiment approximatif au niveau de la hauteur. Comment je vais faire ça? Peut-être qu'il faudrait que je rajoute. Donc là, on est à peu près à du... Même pas du 0,5. Même pas du 0,5 mm. Là, en revanche, ça va être un petit peu plus. Là, c'est un peu plus. Donc, je dirais du 1 cm au niveau de l'épaisseur des deux. Et au niveau de l'épaisseur de ça, c'est 3. Donc, 3,5, je vous dirais, à peu près. Si j'ai pas dit de bêtises. 3 cm et demi, 3 cm et demi, pardon, d'épaisseur. Voilà, comme ça vous donne une bonne idée de la taille de la boîte. Et ça va encore partir. Mais je pense qu'une fois que tout sera monté, et je pense que ça sera plus facile de toute manière d'enlever ça et de le clipser avec ça. Et ensuite, à la fin, de rajouter cette partie-là. Donc, au niveau des symboles, je vais vous les montrer. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'enlever la fiche plastique. Excusez-moi, du coup, mes doigts, ils sont tout sales. Je pense que c'est tous les morceaux de bois. Mais ouais, vous enlevez la fiche plastique. Moi, je vous conseille, si vous n'y arrivez pas, prenez un... Vous voyez, j'arrive avec l'ongle là. Voilà, comme ça. Ça colle bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Et j'ai l'impression qu'on n'a que des chiffres. Je ne sais pas si ça va jusqu'à 13. Mais de ce que je vois, ça a l'air très 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 bien imprimé. Et le motif est très joli. Ouais, l'impression elle est nickel, hein. Je vois pas de problème. Mais ouais, c'est sale. Regardez ça. Ça me dégoûte un petit peu, mais bon, regardez. Voilà. Donc on va regarder les diamants. Je vais même pas me laver les mains parce qu'il va falloir que je remanipule tout ça. Donc je me laverai les mains à la fin de ma vidéo. Ça sera mieux. Parce que comme je dis, il va falloir que je le retouche pour le remettre en boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des diamants? Déjà, combien est-ce qu'on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a 13 types de diamants différents dans ce projet. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 strass. Et on devrait avoir du coup, ben, combien? 4 spéciaux, c'est ça. 4 spéciaux. Donc, je vais vous montrer les diamants de forme spéciale en premier parce qu'ils sont juste là. Je vais pousser tout ça. Donc, on a ce fini perlé trop beau qui est orange AB. On a ces gouttes. Voilà. Rouge AB. On a aussi ça. C'est trop, 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 trop beau. Regardez ça comme c'est magnifique comme diamant. Je me demande où ça va aller d'ailleurs. C'est le 12? Oui. Donc vous voyez, le 12, il est là. Il est là, là, il y en a là. Un petit peu là aussi. Ça va être trop beau, je pense. Et on a aussi ça qui est trop, 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 trop beau. Voilà. Et je pense que ça va être là. Ici, ici, ici et ici. Et ensuite, on a les strass. Alors, au niveau des strass, on a le transparent, le rouge, du rose, orange, turquoise, bleu, orange, turquoise et jaune. Voilà. Donc, franchement, c'est super beau. On a plein de couleurs différentes et j'aime beaucoup les diamants spéciaux qui sont un petit peu inhabituels au niveau de ces trois-là, je dirais. Ces trois-là, on les voit vraiment, mais vraiment pas souvent. Donc ouais, deux beaux projets. Donc merci encore DIY Choose. J'ai vraiment hâte de les faire. Ben, j'avoue que ça, là, j'ai vraiment hâte de voir le projet terminé avec les diamants dessus. Donc juste pour récapituler, je vous ai montré la boîte et le DP. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ces deux produits. J'espère qu'ils sont encore disponibles au moment où je vais vous mettre la vidéo sur YouTube parce que là, j'avoue que je la filme quand même assez en avance.
Mais ouais, j'espère que les liens seront encore là. Donc regardez en barre d'infos pour les liens. Regardez aussi en barre d'infos si jamais il y a un petit code pour vous. Ces compagnies-là nous donnent des codes, mais ce ne sont pas des codes d'affiliation. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!